Mes frères et sœurs, chers membres du groupe Société de la dernière génération, bonjour et que la paix de notre Dieu, Jésus-Christ et Seigneur Sauveur, comme avec nous chaque qui attendait au Dieu Saint. Nous vraiment contents et matin pour nous capables retrouver ou pour nous capables ouais ensemble et leçon pour aujourd'hui hein, qui c'est jeudi 18 août 2022. Mais avant que nous entrions là-dedans, n'a pas prié, n'a invité bon Dieu. Seigneur, nous disons merci pour grâce, merci pour bonté, pour amour, pour privilège que nous avons dans nom, Seigneur. Mais côté que nous prenons à considérer parole, que avec nous, Seigneur, nous prenons ça au nom de Jésus. Amen. Voir l'invisible. Verset à mémoriser, c'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte sans crainte de la fureur du roi, car il se tint ferme comme quelqu'un qui voit celui qui est invisible. Hébreux 11, verset 27. Hébreux 11, verset 27. Je dis que c'est jeudi après. Ensemble, il y a l'autre sous-titre qui c'est toujours fidèle quand Dieu est invisible. Hier, nous avons une invitation. Ok, hier, nous avons une invitation merveilleuse côté que tu es invité, nous, pour nous larguer tout problème, tout souci sous dos. Jésus, et bien, dans la leçon, je dis, hein, je dis, on a toujours été fidèle, ok, lorsque Dieu dit invisible. Ça veut dire, lorsque nous avons un problème, ok, lorsque nous avons des situations difficiles, bagaille noire, nous n'avons pas senti et bon Dieu avec nous, nous parlons lieu d'espoir même, mais que ça veut dire nous, pour nous capables fidèles. Rester fidèle. Ça, c'est un bac, et ça sont l'autre que lié. Nous supposons rester fidèles même lorsque, bon Dieu lui-même, est invisible. Lorsque nous ne pas sentir bon côté nous. Ok? Rester fidèle. Eh bien, lorsque nous lisons dans Ésaïe 40, Ésaïe 40, mes frères et sœurs, versets 27 à 31, il dit, pourquoi dis-tu, Jacob, pourquoi dis-tu, Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel? Pourquoi ça me dit ça? Mon doigt passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Nous racontons ça. Son grand bon Dieu. Il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Nous racontons ça. Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi dis-tu, Israël? C'est bon Dieu qui bat la force à celui qui est fatigué. C'est bon Dieu qui augmente la vigueur de celui qui est tombé en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ils ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. C'est tout le monde qui a confiance dans le bon Dieu. Selon tout ça qui dit là, selon bénédiction qui est là, mais le texte nous invite à confier, à nous confier en l'Éternel. Le texte nous invite à nous confier en l'Éternel. Parce que, il dit, quand quelqu'un se confie en l'Éternel, eh bien, force est renouvelée, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous, c'est que nous jouons dans le livre Esther, il y a l'autre groupe de monde qui
qui a considéré que voyou était caché à Dieu. Dans ce livre, Dieu lui-même n'est pas mentionné une seule fois. Cependant, toute l'histoire qui déroulait, c'était pour un film de l'intervention de Dieu pour sauver son peuple de un décret de mort irrévocable qui était fait pour arriver à examiner. Donc on est que dans l'histoire Esther, dans le livre Esther, il y a un décret qui était sorti pour que il était capable de tuer le peuple bon Dieu, exterminer. Ok? Mais bon Dieu est arrivé délivrer. Et pendant tout le processus, ça, yo, il était pensé que bon Dieu pas avec yo. Ok? Il était pensé que bon Dieu pas là. Il était pensé que Dieu invisible dans la situation ça. Ok? Et il était même arrivé au dire ça. Où es-tu, ô Seigneur? Nous ne voyons aucune preuve que tu es toujours là ou que tu te soucies de nous. Le fait que tu n'as pas senti preuve, tu n'as pas senti Dieu là, tu penses que bon Dieu n'a pas soucié de nous. Et puis, qui est-ce qui parle de livrer aussi bon Dieu? Mes frères et sœurs, toujours été fidèle, toujours été diable. Toujours gagner les yeux nous fixés sur bon Dieu, même là que Dieu est invisible, même là que nous pas sentir là, mais toujours gagner les yeux nous fixés sur lui. Pour nous arriver à gagner les yeux nous fixés sur lui, même là que nous pas là, même là que nous pas sentir, mais faut que nous ayons confiance dans lui-même. Ça fait que dans Esaïe, le texte a invité nous à gagner confiance dans bon Dieu. Et bien, nous ne pouvons pas dire plus, nous étions là. Nous connaissons que nous ne pouvons pas dire, mais place en lui-même, c'est pour vous. C'était Zamio, serviteur Gekalep.